Allô? Allô? Bon matin tout le monde! On est le 1er octobre et c'est dimanche. Bon week-end qui s'achève. Oui, oui, déjà la fin du week-end. Il fait super beau à l'extérieur, c'est super. Je viens d'arriver de mon meeting avec mon papa. Fait que c'est ça. Puis là, ben aujourd'hui, je sais pas ce qu'on va faire. On va sûrement aller se promener. Si Richard réussit à installer le banc, parce qu'on a changé de banc de dos. J'en avais acheté un pour mon papa. Celui que vous avez vu, le je sais plus c'est quoi la marque. Puis nous, on avait acheté un piano. Fait que là, il reste à l'installer. C'est un petit peu plus compliqué que l'autre, je crois. Fait que c'est ça. Tu fais achou? Fait que c'est ça. Fait que c'est pas pire, j'ai réussi à me réchauffer un petit peu au cours de la nuit parce que j'ai eu tellement froid, c'était fou raide. Fait que ouais, j'ai réussi à me réchauffer un peu, j'ai encore les pieds gelés. Mais bon, on peut pas tout avoir. Puis là, je m'apprête à aller dîner. Je sais pas ce que je vais dîner parce que hier, j'ai fait cuire mon jambon dans la mijoteuse. Pendant que j'étais partie. Fait qu'on va sûrement manger ça ce soir. Mais pour dîner, j'ai pas le goût de manger des pâtes. Fait que je sais pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais peut-être me faire un café. Parce que ça va me faire du bien. J'en ai mis un là-bas. Puis honnêtement, il était. Pas qu'il était pas bon, mais disons qu'il était comme. Il était un peu bizarre. Faut croire que j'avais frappé une mauvaise batch parce que j'avais des petits. Nous, on a des grosses cafetières sans tasse, là. Fait que tu mets des sachets à l'intérieur puis un filtre. Mais le filtre, pour moi, dans ma tasse à moi, c'est. Bonjour. Tu dis du bonjour? Bon matin? Bon matin? Non, il s'en vient, là, mais non. Puis c'est ça, dans ma tasse à moi, ben, il y avait plein de petites granules dedans. Fait que c'est un petit peu désagréable. Allô? 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 Qu'est-ce que tu as? À qui tu dis allô? Aux abonnés? Et puis... Aux abonnés? Sus, c'est pas drôle. Fait que c'est ça, j'ai... Merci. Oui, merci. Ah, ok. Merci, mais maman n'en veut pas, mon amour. Fait que, non, je sais pas. Donc, non, mais non. Non, j'en veux pas. Fait que c'est ça. Fait que j'avais des petites granules dans mon café, puis c'était un petit peu désagréable. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Demain, retour au travail. Puis mardi, exceptionnellement, j'ai congé parce que je m'en vais à la SAC passer mes 60 questions à nouveau. Attends un petit peu. On va faire un petit échange. Fait que je m'en vais là avec mon papa. Puis exceptionnellement, ben c'est ça, j'ai pris congé mardi au lieu de mercredi. Fait que je vais avoir mon mardi de congé. Fait que je vais vlogger mardi. Puis... mercredi, je retourne travailler et cette semaine, c'est fun parce que je vais avoir toute ma semaine au complet, vraiment au complet parce que ça fait deux semaines que j'ai des rendez-vous le jeudi, fait que je travaille pas jeudi. Là, exceptionnellement, je travaille pas mardi, tu sais, c'est vraiment, là, j'ai hâte de retrouver une cédule normale. Fait que c'est ça. Fait que là, je sais pas ce qu'on fait. Mais on va sûrement aller peut-être se promener un petit peu. J'aimerais ça qu'on aille se promener un petit peu. Mais je sais pas où. Peut-être qu'on verra. C'est sûr qu'on vous amène avec nous. Fait que là, il faut que je fasse le montage du vlog d'hier. De la fête à René. Puis, c'est sûr. Fait que nous, on se reparle tantôt. À tantôt tout le monde. Très salut! Alors, j'ai décidé de me faire une soupe. Puis je voulais vous la montrer. Je vais poser. Alors, j'ai décidé de me faire une soupe comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais acheté des soupes
En fait, c'est un kit de soupe. Mélange à soupe, mélange légumes et orzo, comme ça, de Cambo. Et ils disent à l'arrière d'ajouter évidemment le sachet, un bouillon de poulet, des zucchini, des patates et du jus de citron. Mais moi j'ai rajouté d'autres légumes parce que j'avais pas de zucchini. Alors j'ai rajouté évidemment une patate douce, du céleri, des petites fèves, des brocolis, puis des oignons. Je vais partir ça et on se reparle tantôt. Très salut tout le monde! Il est rendu 5h50 et on se prépare à aller au Jean-Coutu et au Farmacry. À ma demande. Marie-Fleur, elle vient de... Ça va pas longtemps qu'elle s'est levée de sa sieste. Elle s'est levée, il était peut-être 5h30. Elle a fait un petit dodo parce qu'elle a commencé à tomber partout et tout le kit. Et dans ce temps-là, c'est l'heure du dodo. Fait que moi, je me suis changée. J'ai gardé mon petit chandail que j'avais tantôt là, rayé. Mais je me suis mis des pantalons confortables aujourd'hui, ça me tentait. Des pantalons comme ça, là, des pantalons de yoga là, qui se plient. Et je suis triste. J'ai perdu 2 abonnés. Mais bon, c'est la vie. Donc là, je suis en train de préparer mes petites choses. J'ai ma liste. J'ai juste pas marqué ce que j'avais besoin à l'épicerie, mais finalement, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai ma liste, ça prend moi, évidemment mon portefeuille, hein, vous comprendrez bien. Ok. Ah. Et je vais aller chercher ça, puis je vais prendre mes sacs en coton. Ah, Isabelle a fait demander si on peut les garder, les circulaires. On les met sur là? Oui? Ben non, mais c'est parce que ça, c'est par-dessus. Si je vais ramasser ça, il faut que j'enlève les souliers, non? Ah. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, on m'a demandé si on pouvait le garder pour faire son papier mâché. Ah. Parce qu'Isabelle a eu un projet de faire un bonhomme de Noël en papier mâché. Ma fleur de danse. Waouh! Tu danses, mignon? Avec Marie-Fleur, elle porte la petite ensemble que j'avais achetée chez Urban Planet. Avec les petits minous. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Ouais. C'est ça. Nous, on s'en va là-bas. Évidemment, je vais vous montrer mes achats, mais je n'achèterai pas grand-chose de très haute, là. J'ai un petit peu de mon swap à finir. J'avais commencé puis j'ai pas fini. Parce que c'est au mois d'octobre, mais j'ai encore un peu de temps, mais c'est juste que j'ai comme pas eu de temps. Fait que voilà, je vais faire ça aussi. Puis c'est ça. Fait que finalement, ce que je porte, c'est ça. Alors, le chandail qui est belle a le même. Et mes pantalons de yoga. Fait que voilà. Et je ne mettrai pas mes bottes. Je vais me tenir à l'heure aujourd'hui. Fait que nous, on se reparle tantôt. À tantôt. Bonsoir tout le monde. Il est rendu 7h25. On s'est fait ma prime. On a acheté une coupe de choses. Puis là, on s'en va au maxi. Puis Marie-Fleur, ben, attendez un petit peu. Elle est dans son nouveau pan. Son bandit à nous, comme ça. Fait que. Je vais vous montrer nos achats tantôt. Donc évidemment, ben, ça a coûté quand même un petit peu cher, quand même. Mais ça valait la peine parce que la crème pour les eczémas Marie-Fleur, ben, c'est pas donné. C'est quand même 24$. Là. Mais c'est pas pire parce que mon prochain achat. On est sur les 5$. Mon prochain achat, ben, je vais pouvoir. J'ai 30$. C'est quand même bien. Hello. Fait que on. Hein? Bonjour. Fait qu'on a une venue française spéciale hockey. Ok.
que j'ai pas ouvert parce que moi, si c'est trop chaud, vraiment, ça me brûle la gorge. Pas encore. Fait que là, on s'en va maxi, puis là, j'ai vu tantôt, il y avait du ginger ale saveur canneberge. Ça me tentait. Mais je sais pas si c'était moins cher ici que chez Maxi. On va voir. Sinon, ben, je l'avais vu à 4$ chez Costco, là, mais j'ai pas pris. Je regarderai après, mais bon, je vais voir. Je me disais, d'un coup, je l'aime pas, puis j'ai acheté ça. Hein, fait qu'on était là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ont fini nos commissions et je vous montre ce qu'on a acheté à plus tard. Bonsoir, il est rendu 8h44. Je vais vous montrer un peu l'épicerie. Puis je vais serrer ça. Puis je vais vous montrer ce que sera après. Alors, on a acheté des œufs qui sont spécial à 1,77 farmaprix. Je vais tenir la viande. Je me suis gâtée, en fait, je mangeais jamais vraiment ça, mais ça me tentait de manger des petits buns à la cannelle et c'est marqué fait avec de vrais fromages. Et que ça me tentait. J'ai acheté du veau pour faire un pain de viande avec du porc. Fait que ça, puis ça, je vais mettre ça tout dans le veau, puis je vais faire avec elle. Au premier tour, j'ai racheté deux pains au chocolat comme ça. Je vais en acheter deux. Je me suis acheté une paire de. Ben en fait, de deux paires de bottes, comme ça. Puis je vais aller chercher la viande parce que je vous le savais en premier. Je vais aller chercher la viande. Pour je vais acheter des oignons rouges. Je n'ai pas besoin de les mettre dans le frigo. Fait que... On a acheté des raisins, de la viande fumée de Montréal, comme ça. On l'a pris normal. Et on a acheté deux, qu'on va congeler, deux rôtis de palette, comme ça, ils sont en spécial. Donc ça, je vais mettre ça dans le frigo. Au maxi. J'ai acheté des oignons rouges. J'ai pas besoin de les mettre dans le frigo. Fait que... On a acheté des raisins. De la viande fumée de Montréal. Comme ça. On l'a pris normal. Et on a acheté deux. On va congeler deux rôtis de palette comme ça, ils sont en spécial. Donc ça, je vais mettre ça dans le frigo. On a acheté ici pour ma fleur parce qu'elle adore ça, des mini croissants. Ceux-là, c'est au céréal, 14 céréales de la marque La Petite Bretonne. Déjà, je les avais jamais vus ceux-là. J'ai acheté des petites tomates cerises. Un pain comme ça, là, à l'européenne, qui était à 30%, du beurre de pin, de l'ail, et acheté un couleur et à nous, là, sur mon goût, des salades de fruits comme ça. Voilà. Alors, je vous ai acheté 3 revues, 3 fois par jour. Une 5-10-15. Et une que je rêvais de lire qui est en spécial, c'est le Protégez-vous, finances personnelles, parce que l'équilibre se tient parfois par un fil. Ça m'intéressait. Fait que ça, c'est ça. J'ai acheté pour le travail et pour la maison des sambons comme ça. Une, c'est marqué
Je pense que c'est Oasis de Paradis et l'autre Lavande. Fait que je vais les splitter en deux. Ensuite, je sais plus où. Je pense qu'on ferme après. Pour faire ma prise, je me suis acheté deux brosses à dents, une électrique, ben à la batterie en fait, une Oral 3D White, comme ça, ça me tentait d'en avoir une, puis elle est en réduction à 6$, et une à la main, une Colgate 360, comme ça, toute simple. J'ai acheté à Marie-Fleur du Tempura. J'ai acheté aussi de l'Aveeno soin de l'eczéma, comme ça. Je lui ai pris un petit kit comme ça de Johnson & Johnson, nettoyant hydratant pour bébé tête aux pieds. C'est leur nouvelle gamme pour peau sec et sensible. Et c'est en paquet 2. Il y avait, je sais pas c'est quoi l'autre. L'autre truc qui vient avec, mais Marie-Fleur va avoir besoin de ça. Hein? J'ai acheté deux boîtes de pâtes d'ours, mais de la marque Le Choix du Président aux bananes, parce que Marie-Fleur aime beaucoup ça. Il y a des choses que je ne pourrais pas vous montrer parce que c'est pour mon soin. J'ai acheté des petites boucles comme ça à Marie-Fleur pour mettre dans ses cheveux. Je me suis acheté deux serviette sanitaire. Je vous expliquerai pas à quoi ça sert. Et ça, c'est pour mon soin. Fait que je vous le montrerai pas. Au genre que tu, j'ai acheté deux sacs de chips crème sure et oignon. Ils sont vraiment bonnes, puis ils sont 80 sous, fait que je trouve que ça vaut la peine. Je me suis acheté un gros foulard de laine, je vais vous montrer. Comme ça. Il était à 20$, puis il laissait à 11$, fait que un gros foulard, puis ça a l'air vraiment gros. Puis des fois, quand j'ai pas mon porte-bébé, c'est arrivé une fois que j'ai utilisé mon foulard, et que je trouvais que lui, c'était un peu plus. Facture. On a racheté à Marie-Fleur deux brosses à dents. J'en avais acheté des. Et comme ça, des Colgate. Puis là, ben, on a trouvé des de la marque Jean Coutu. Je sais pas c'est quoi. Je pense qu'ils se collent aussi, là, des petites brosses à dents comme ça. Elle doit être dans l'auto. Ah, elle perd du souliers. Ah! Merci. Je me suis acheté des pastilles comme ça parce que ce temps-ci, j'ai beaucoup mal à la gorge. J'ai pris la marque personnelle. Et ceux-là, c'est au citron et... Et où ton soulier? Citron et quelque chose. Pour mon soupa. Je me suis acheté... Antidorifique. J'ai acheté un kit comme ça dans le fleur. Comme ça. Un petit kit vert ustensile. Les ustensiles, je vais les traîner avec moi quand on va se promener parce que j'ai juste un petit kit comme ça. Là. Et juste ce petit kit-là, ben, il est le prix de l'assiette et tout le kit. Et c'est en bambou et c'est de la marque Baby. Fait qu'il y a le verre, les ustensiles, le petit bol, puis toute la patente. J'ai acheté une boîte de Poste Canada pour poster mon prix. Parce que, comme j'ai dit à la personne, comme j'ai été très très malade, j'ai pas pu y poster avant. Alors j'ai acheté une boîte. Au travail, on a acheté évidemment brosse à dents,
et encore des petits sambons comme ça en spray. Cette fois-ci, c'est... Je sais pas, j'ai écrit sur là, c'est marqué pur essentiel. La porte, c'est pour mon soin. Allô? Bonjour, madame. Richard s'est acheté des bouches comme ça. Au chocolat. Et l'autre à la vanille, je crois. Ouais. On a acheté deux boîte de café, une caisse de ginger ale au canneberge et du vinaigre. Et c'est tout! C'est tout, tout, tout. Alors, je sers tout ça et nous, on se retrouve plus tard. Bye bye tout le monde! Bye! Bye! Salut tout le monde! Il est rendu 10h09 du soir. Marie est en train de grignoter un petit peu. Moi, je me suis brossé les dents avec ma nouvelle brosse à dents. Ouais, c'est vraiment fun. Comme brosse à dents, je me sens les dents propres. Voilà. Fait que je me suis mis en pyjama. Voilà, j'ai fait toutes mes choses. Puis vraiment, le foulard, là, il est énorme. Il est énorme. On reste un char, là. Tu sais, c'est fou. Hey, c'est ça que je t'ai dit. Fait que voilà. Donc là, ma fleur ne doit pas écouter, hein, comme d'habitude. Fait que c'est ça. Fait que demain, retour au travail. Mardi, congé. Je m'en vais à la SAC pour mon examen. Fait que je vais me préparer aussi ce soir. Je vais étudier un petit peu. Demain. Puis, c'est ça. Mardi, c'est la sac. Fait que je check c'est à quelle heure. Puis retour au travail mercredi. Puis Charles va être en congé mercredi avec Marie-Claude. Jeudi, vendredi, ben, mes parents regardent. Mais ma mère regarde. En fait. Puis c'est ça. En gros, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, j'ai perdu 2 abonnés. Je suis vraiment triste. J'en avais gagné une qui était nouvelle. Puis finalement, ben, j'en ai perdu 2. C'est la vie. Mais comme je dis souvent, peut-être avec le vlogmas et tout ça. Puis il y a un vlog. Je sais pas si c'est en octobre. J'espère que je regarde les vlogs. J'aimerais ça faire un tag. Peut-être si vous avez un tag à me suggérer, dites-le moi. Je sais que mardi, je vais peut-être filmer mes coffrets DVD préférés. C'était une demande spéciale. Puis un autre, mais je sais pas quoi encore. Un haul, ben j'en ai pas vraiment d'achat que j'ai acheté dernièrement. Assez pour ça, puis ça me tente pas tant non plus. Parce que mes achats, je les montre quand même en vlog. Voilà. Fait que nous, on se retrouve mardi. Puis, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Parlez de moi à vos amis ou à vos abonnés si vous avez une chaîne YouTube. Ça va me donner un coup de main. Et je pense que c'est vraiment ça aussi qui fait en sorte que... C'est ça, les abonnés grimpent d'une certaine façon, c'est quand on s'aide entre les youtubeurs. Et bientôt, il va y avoir un gala, parce que j'ai goût de faire ça. C'est la première fois que je voulais faire ça. Un gala sur 10, je ne sais pas encore si c'est 10 chaînes que je veux faire, mais sur mes coups de cœur de cette année. Voilà. Fait que moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.